Et après, je voulais aussi remercier du coup Luc, parce que la plaque commémorative a été intégralement offerte par le club James Bond, pour qui Rémi était quelque chose de... Il a quand même fait les cascades de 6 James Bond, je crois. Et donc il y a une vraie symbiose entre le club James Bond et Rémi Juliette. Donc du coup, je tenais à remercier l'ensemble du club pour cette plaque commémorative. Et du coup, je vais passer la parole à Luc qui en dira un peu plus. Et voilà. Je ne vais pas vous raconter toutes les cascades qu'il a faites dans tous les James Bond, parce qu'on ne va pas boire. C'est sûr. Mais c'est vrai que, pour rebondir un peu sur ce que dit Christophe, quand on rencontrait Rémi, c'était, excusez-nous les garçons, mais c'était un peu comme notre papa, notre grand-père. On écoutait ces histoires de Jean-Paul, de Louis, de Lino, de James Bond, Roger, etc. On était comme des gosses, quoi, parce qu'ils nous racontaient des trucs incroyables. On en apprenait même encore. On est soi-disant des experts sur le sujet, mais des fois, il vaut mieux fermer sa gueule et écouter les autres, quoi. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que le club James Bond, quand j'ai émis l'idée auprès du bureau de dire allez, on se rend, on fait une jolie plaque pour Rémi. On n'a pas fait de couronne, mais on va faire une jolie plaque pour Rémi. Voilà, quoi, c'était l'occasion de le faire. Et puis, à la mairie, ils nous ont emboîté le pas et ça s'est fait. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Rémi, je l'ai rencontré, j'avais 24 ans. Attention, cascade. Non, ça va aller. Rémi, je l'avais rencontré, j'avais 24 ans sur Mortel Randonnée. Il m'avait fait rencontrer Michel Serrault, j'avais interviewé Michel, rencontré Isabelle Adjani. Je tremblais, j'étais comme ça, mais voilà, c'est un truc que j'oublierai jamais. Et on ne s'est jamais lâché avec Rémi, et puis il a toujours été là. Dès qu'on l'invitait, il venait, et quand on l'invitait pas, il m'appelait pour me demander pourquoi on l'invitait pas. Donc bien sûr, c'est pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir ce Français qui a fait tous ces trucs super pour le cinéma français et international. Et aujourd'hui, c'est un bel hommage qu'on lui rend tous ensemble. Merci de votre présence. Et puis voilà, quoi. Le club James Bond est très heureux de faire ça. Vous pouvez adhérer pour 50 euros par an. James Bond 007.net, c'est très simple. Et voilà, merci à tous en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Prochain coup. Allez, 1, 8, 12. Bravo.